Alors moi c'est Emmanuel Boutet, je suis à la base paysagiste dans le Morbihan et on s'est rencontré avec Pascal il y a quelques années pour développer différents produits pour l'agriculture. Lors de salons, on a évoqué des choses, on avait des projets, puis des passions communes. Voilà, et l'année dernière, on a fait naître Élémentaire, donc qui s'est greffé avec l'ombriculture de Pascal, qui est lui... Je suis l'ombriculteur, Pascal Lepalu, l'ombriculteur sur un zinzac Locrist, en fait. Voilà. Et donc, on a partagé nos passions et on a créé une entreprise et une marque, Élémentaire, qui est spécialisée dans les amendements organiques et minéraux pour l'agriculture biologique, la biodynamie et la dépollution des sols et de l'eau. Voilà. Et donc cette année, on fait différents salons pour se faire connaître. On a un site internet et on donne des conseils sur demande. Les gens nous sollicitent aussi sur la ferme de l'ombricole de Zinzac Locrist. Et les gens nous posent des questions, des gens passionnés, des gens qui font du potager, qui ont des jardins, des maraîchers. On touche un peu à tous les milieux de l'agriculture et de la terre. Hein. Donc on a un fort lien avec la terre. Et nous, notre base, notre principe et notre éthique, c'est que nous, on propose des produits vraiment pour soigner le sol, par le sol. C'est des différents amendements organiques et minéraux, issus de notre propre fabrication ou des carrières françaises et des produits nobles qu'on revalorise et qu'on apporte au sol. Voilà, après Pascal, peut-être des choses à... Oui, beaucoup de produits sont sur la base du lombricompost. On est vraiment dans le vivant, en fait, les bactéries, les champignons, les levures. Donc on a développé toute une gamme par rapport à ça. Donc des composts, de la terra preta, on recrée, on fait du charbon actif. Activé avec justement du lombrité. On fait des extraits fermentés de plantes, ortiques, on soude. C'est la base, c'est vraiment tous les produits naturels pour le soin du sol, pour nourrir les plantes. En fait.